Bienvenue, bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Je vous présente aujourd'hui une animatrice de radio spécialisée dans l'ufologie, le paranormal, tout ce qui touche ce domaine-là. Elle travaille notamment à la radio lévisienne de CJMD au 96.9 FM, une émission qui s'intitule « Zone parallèle ». Mais avant d'être une animatrice, c'est une expérienceur qui, très tôt dans son enfance, a connu un événement qui va faire en sorte qu'elle va se retrouver plongée dans une espèce de vie totalement étrange, mystérieuse, mais c'est plus à elle que je vais laisser le soin de vous l'expliquer. Voici donc ma présentation aujourd'hui, Carole Lauzé. Bonjour Carole. Allô Jean. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Je suis très content de t'avoir sur l'émission. La raison, c'est que tu as vécu énormément de choses. Tu en avais même commencé, tu as publié un livre. On a retravaillé nous deux sur un autre, sur à peu près le même livre, mais qu'on retravaillait, pour un projet qui n'a pas abouti malheureusement. Mais j'aimerais savoir, moi, parce que c'est un de mes dadas, c'est de démontrer que tous ces événements-là qui nous arrivent, ces expériences-là avec les étranges, avec l'invisible, semblent avoir commencé suite à un événement, quelque chose d'émotionnel ou autre, et habituellement dans l'enfance. Alors moi, la question que je te pose, est-ce que c'est le cas où ça a commencé à 30 ans, ou quoi? Quand est-ce que tout ça a commencé, selon toi? Moi, personnellement, selon ma théorie personnelle, là, remarque, j'ai fait des recherches là-dessus, mais ça a commencé quand j'avais mes 4 ans. J'ai eu 4 ans. On m'a retrouvée noyée dans mon bain. Puis là-dessus, j'ai fait vraiment une expérience de mort imminente, ce qu'on appelle un EMI. Ma mère m'a trouvée, c'est mon frère qui m'a trouvée noyée dans mon bain. Ma mère hurlait pour chercher mon père. Mon père m'a sorti. Il m'a réanimé. J'ai traversé de l'autre côté. Donc, je me plais à dire que ma mère m'a donné la vie et que mon père me l'a redonné parce que c'est carrément ça qui est arrivé. Puis, je me suis vue au-dessus de moi, de flotter au-dessus de moi-même. Je voyais l'ensemble de la scène. Donc, j'étais plus dans mon corps, mais vraiment au-dessus de moi. Et je voyais toute la scène se dérouler, mon père avec son stéthoscope qui vérifiait voir si tout était correct, si mon cœur était revenu parce qu'il a été obligé de me réanimer. Mais je pense que c'est pour ça que je parle de ma théorie, parce que j'ai fait un genre de sondage auprès du monde, des auditeurs qui nous écoutent. Puis avec mon livre, mon premier livre que j'ai fait, L'univers de l'inexpliqué, j'ai fait un sondage pour demander est-ce que parmi vous, il y en a qui ont fait une expérience de mort imminente ou qui ont vécu un traumatisme tellement intense que leur vie a changé, basculé bout pour bout. Puis, il en est retiré qu'à peu près 90% des gens qui ont vécu une expérience de mort imminente reviennent avec des capacités qu'ils n'avaient pas avant. Plus sensitifs, plus médiumniques, disons-le, ce mot ici, là, mais c'est à peu près ça. Mais ils reviennent avec quelque chose de différent. Alors, ça veut donc dire que si toi aussi, finalement, c'est donc arrivé dans l'enfance, parce qu'on parle de 4 ans, tu avais 4 ans, et à 4 ans, tu as quand même réussi, et tu t'en souviens de ça, de t'être vu, d'avoir vu ton père qui faisait ses procédures médicales, si on peut dire, et à toute fin pratique, ça aurait généré chez toi des changements tels que maintenant tu peux te qualifier d'expérienceur. Mais moi, j'ai cru lire quelque part que tu n'avais pas été bien fine avec ton frère à un moment donné. Je ne veux pas rentrer dans l'histoire de famille, mais peux-tu nous expliquer ça, Carole? Moi, ce que ça fait tellement un petit peu baveux de ta part de le dire de même, mais ça va. Bref. Non, mais toute cette période-là de ma vie, c'est lors de mon adolescence. J'avais à peu près 15 ans.
Tu sais, la frustration d'un jeune adolescent, là, c'est un petit peu weird, là. Les hormones dans le piton aussi, dans le cerveau. Quoique ça revient à l'âge adulte plus âgé, fait que je m'attends bien à ce que ça revienne. En tout cas, bref. Non, mais j'étais vraiment dans une séquence de ma vie, disons-le de même, où ce que j'en voulais à mon frère parce qu'il m'agaçait tout le temps. Tu sais, quand tu te fais gosser par un frère, une soeur, même moi, c'était à mon frère dans le temps. Puis j'avais ma mère qui me disait, bon, ben, c'est le samedi, une belle journée d'été, où ce que tu es pogné pour rester en dedans, faire du ménage, la vaisselle, puis tout. Mais ce samedi-là, mon frère il me tapait ses rognons, c'est pas compliqué. Puis à un moment donné, je l'ai vu s'en aller vers la cuisine dans les armoires, où il y a à peu près une vingtaine de verres côte à côte sur la tablette. Et mon frère, j'étais tellement en colère après, je l'ai vu prendre un verre, puis en mettant la main dessus, moi je regardais le verre. Je savais pas ce que ça allait donner parce que j'avais aucune intention à ce moment-là. Mais en mettant la main sur le verre, il a éclaté en mille miettes. C'est un verre assez épais, là, vraiment très épais. Puis j'ai fait, waouh, mon frère comprenait rien de ce qui est arrivé, puis moi non plus, en fait. Puis moi j'étais assis sur une poubelle, tu sais, des espèces de poubelles à pédales carrées avec le top en aluminium, là. Puis je m'étais adossée sur la chaise de mon père comme ça, je t'en manchais de même. Et après cette expérience de verre-là, je me suis assoupie, j'ai dormi comme si on venait de me mettre un somnifère. Ça a fait quand même assez bizarre. Alors, il y a donc une émotion, là. Il y a une Ah oui. émotion là, de rage, de colère ou de je ne sais pas de quoi, mais je veux dire, une émotion générée sans aucune morale. Parce que faut le dire que quand on est ado, le sens du bien et du mal, on l'a, mais si on a envie de ne pas l'avoir, on ne l'a pas. T'sais. On est capable d'être mauvais, là, méchant. Là, t'sais. On sait, à l'école, les enfants peuvent être extrêmement méchants entre eux. Alors, tu avais donc une émotion très vive qui est allée chercher l'énergie nécessaire pour faire ça. Ben, j'imagine, parce que j'ai parlé de ça à une de mes tantes qui me dit, hey, ça s'appelle de la télékinésie ce que tu as fait. C'est dangereux ce que tu as fait. Je joue pas avec ça. Mais là, je comprenais pas c'était quoi le mot télékinésie parce que c'est pas un mot que j'utilisais à l'époque. J'ai 15 ans à peu près, là, 14-15 ans. Puis à un moment donné, je me suis dit, télékinésie, c'est. Oui, OK, mais ça y est, voir. Je vais réessayer de le faire sur un autre verre, dans un autre temps, très peu de temps après. Je me suis concentrée sur un verre qui était situé sur le bord de la fenêtre dans la cuisine. Puis j'ai juste regardé le verre. Exactement le même phénomène s'est produit, sauf que là, personne n'est touché. Juste à le regarder, le verre s'est mis à éclater en mille miettes. Je raconte à nouveau à ma tante ce que j'ai fait comme expérience pour voir. Puis elle me dit non, là, t'arrêtes ça là, c'est dangereux ce que tu fais, parce que tu peux tuer quelqu'un à faire ce que tu fais là. J'ai fait, hey, là, la chienne m'a pogné, là, pour vrai. Fait que ça a fait comme non, fini, moi, je touche pas à ça. J'ai eu peur de moi, de ce que je venais de faire. Peux-tu Ça a regarder comme. ailleurs? Ça me dérange-tu de regarder ailleurs? Arrête de me regarder! Mais c'est terrifiant un peu, ça, non? Ben oui, ça l'est. Ça l'est certain, mais je fais plus ça, là. Non, casse pas ta tête, tu vas avoir encore tes dents. Je fais pas ça. Mais non, je fais plus ça parce que je sais même pas comment j'ai fait, en fait. C'est en regardant le film. Bon, j'ai Carrie, encore. Carrie, Oui, Carrie. c'est ça. C'est C'est ça. C'est exactement. là où on parle de télékinésie, là, dans ces années-là, là. Exactement. C'est OK. là que j'ai vu c'était quoi la télékinésie. Puis, voyons, je faisais ça, moi. Ben, t'es adolescente là-dedans aussi. Je dis, tabarouette. Puis là, j'ai vu que selon les études pour ce qui est de la glande pinéale, elle devient beaucoup plus grosse à l'âge adolescent. C'est là ce qu'on. Elle vient gonfler. Puis, je me suis dit, ça a-tu un lien avec ça? En tout cas, j'ai fait des recherches là-dessus, puis c'est ça. En gros, c'est ça l'histoire. Mais je fais plus ça, là. N'ayez pas peur. Non, t'as fini. Ça, c'est une expérience que tu as provoquée d'une certaine façon, dans le sens que c'est toi qui as fait casser le verre les deux fois, même si des gens restent sceptiques, on regarde.
Les verres qui cassent, c'est déjà, de même, tout ça, c'est déjà passablement très rare, mais de suite, là, dans des circonstances où tu t'impliques, là, wow, là, je regrette, mais on sort des statistiques par les deux portes. Il y a un autre événement qui s'est produit, et celui-là, c'est toi qui as subi des effets télékinésiques, et tu ne sais pas de qui, de quoi, mais c'est toi qui l'as subi, alors que tu étais en train de faire, de travailler dans un restaurant. Alors, explique-nous exactement le contexte, comment ça s'est passé et tes impressions ou enfin ton opinion sur ce qui aurait pu causer ça. Et rappelle-nous aussi dans quelles années, à quel endroit ça s'est passé. Je te dirais dans les années 2010-2011, dans ces eaux-là, j'ai eu un couple d'amis qui se sont partis à un restaurant dans un endroit assez particulier parce qu'il y avait un bar, mais le bar était au sous-sol. On s'entend que dans les énergies résiduelles d'un endroit, ça peut conserver bien des trucs assez étranges. Ça a été un hôtel, ça a été au départ, ça a été la maison d'un médecin, ça a été un salon funéraire, ça a été un restaurant, ça a fermé, ça a été encore un hôtel ce qui louait des chambres à l'étage, ça a été encore un restaurant, et tous les commerces qu'il y avait là, en haut, au rez-de-chaussée, ça n'a jamais fonctionné. Mais ils ont quand même tenté l'expérience d'ouvrir un restaurant style fine bouche un peu, mais en même temps, bref, tu sais, quand même après abordable. Fait qu'on s'est dit, oui? Non, c'est parce que je viens d'allumer, là. Donc, là où se sont passés les phénomènes que tu vas décrire, les commerces n'ont jamais fonctionné comme si quelqu'un ne voulait pas que quoi que ce soit se passe dans cet endroit-là. Je lance ça comme ça, là. Bien, je l'attrape au vol, ce que tu dis, parce que je suis sûre de ce que tu dis. Ça ressemble pas mal à ça. Les commerces sont... Mais c'est fort intéressant. Mais dans le temps, je t'allais donner un coup de main. J'avais jamais fait ça, waitrice, moi. Serveuse, là. J'avais jamais fait ça, mais je m'étais dit, oh, pourquoi pas? M'aller donner un coup de main. Mais en même temps, ça va me donner un petit peu de sous de plus payer mes comptes. Fait que je me suis ramassée là comme serveuse, mais je trouvais qu'il y avait une drôle de sensation de... Tu sais, quand tu te dis que tu te sens observé tout le temps, là, mais qu'il n'y a personne en même temps, mais c'était fréquent là-bas. C'était vraiment fréquent. Puis je me suis dit, je ne trouve même pas tout seul à voir ça, ce genre de phénomène-là. Hey, ça, c'est une autre affaire que je ne t'ai pas racontée, c'est que il y a une petite fille d'à peu près 4-5 ans qui venait avec sa mère pour manger. Et la jeune enfant dit, « Maman, c'est plein de monde ici. C'est plein. » Et la petite, elle disait, « Ben, voyons, le restaurant, il est vide. C'est pas plein. Il n'y a pas personne. Dis pas ça, ces affaires-là. » J'ai dit à la mère, « Non, non, non. Elle voit vraiment quelque chose. Faut pas taire ce qu'elle voit. Ah non. Parce que je le sais. » C'est ça. Je sais ce qu'elle voit, elle le voit vraiment. Sauf que, personnellement, sa mère ne voyait rien de tout ça. Ça, c'est juste un petit à côté de ce que je veux te raconter. Mais à un moment donné, sur les heures de repas du dîner, on ferme nous autres à 2 heures après le temps du repas et on réouvre vers 4 heures pour le repas du soir. Donc, ça nous donne du temps pour arranger les tables. Parce qu'on avait une genre de salle à dîner qui comportait à peu près 20 personnes d'un bord et autant de l'autre côté. Puis je suis toute seule à monter les tables et le patron il est en haut à l'étage. Puis à un moment donné, je fais un côté, j'installe toutes les napperons, les ustensiles. Tout ce qui restait à mettre, c'est les assiettes. On ne les met pas parce que un restaurant à la table n'a pas d'assiette. C'est-tu là quand tu manges l'assiette, là? C'est pas comme à la maison. Excusez. Mais j'installe le côté, pas ça, je m'en vais de l'autre côté parce que ce lieu-là est comme séparé par des portes françaises. Okay. Il y a comme, donc, il y a un côté, bien, les portes sont toujours ouvertes, là, sauf quand que la salle est pleine. C'est ça. Il y a deux salles, c'est ça. C'est ça. Donc, j'installe les tables du côté de où il y a des tables à 4 ou 6 personnes ou 2 personnes. Je termine de faire mon montage, je me revire de bord. Et je vois sur les tables que je venais de monter précédemment, tous les ustensiles sont croisés comme ça, en X. La soucoupe à pain est devenue dans le centre, sur le, le,
notre papier, là, puis les assiettes, tout est à l'envers. Les verres, les tasses, tout est interchangé. C'est quelque chose que c'est pas comme ça que je l'ai monté. Exactement ça, Jean. Pas C'est ça. exactement ça. Non. Pas Vraiment ça. comme un X. Non. Ça aurait eu une connotation religieuse, c'est ça. Oui. Tandis Mais que non, c'était ça, vraiment. Oui. c'est un X, carrément un X. Continue. Défense de. Ouais, ça fait défense de. Hein. De là, ta théorie du pourquoi les commerces ne fonctionnent pas, ça a vraiment un ben du sens à ce que tu as dit. J'en veux pas de commerce. J'en veux pas. C'est un peu ça qu'il essaie de dire ou que ça essaie de dire. Je pense que oui. Je pense que oui. Mais bref, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais merde, je n'ai pas monté mes tables de même. C'est quoi cette histoire-là? Là, j'étais certaine que mon patron était descendu au rez-de-chaussée puis qu'il m'avait joué un tour. Mais sauf que l'escalier et le plancher en haut, ça craque. C'est une vieille maison qui date des années 1800. Si je ne me trompe pas, 1870 ou quelque chose comme ça. C'est très vieux. Et j'ai rien entendu. Et le patron est toujours en haut. Je l'ai entendu tousser un moment donné, je sais qu'il est là. C'est pas lui. Et je suis vraiment toute seule. Le cuisinier est parti, l'aide-cuisinier est parti aussi. Il n'y a pas personne d'autre que moi dans le rez-de-chaussée. C'est impossible. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça? Je suis traversée de l'autre côté. Je suis retournée pour remettre à l'ordre tous les ustensiles, les verres, les tasses qui avaient été interchangés. Je me revire de bord. Où est-ce que la salle, la plus petite salle à l'entrée, exactement le même phénomène s'est produit. Encore une fois, les soucoupes, les ustensiles déposés dans la soucoupe sur la table. Mais ça, c'est J'ai en jamais compris. métal. C'est pas des cuillères de plastique, là. C'est en métal, ça. Ça fait du bruit, ça. Quand Et en plus de ça, ça prend un certain temps. Moi, s'il fallait que je commence à faire ça avec la soucoupe, puis à chaque place, sans me tromper, en faisant un X, sans me faire entendre, c'est quasiment impossible. Tu étais vraiment seul dans le restaurant? Et vraiment. Et là, quand j'ai crié après le patron en haut, j'ai dit, Pierre, t'es-tu descendu pour me jouer un tour? Puis il me dit, non, je suis en haut, je travaille dans mes paperasses. Et là, il est descendu, puis j'y raconte ça. Mais lui, il ne croyait pas à ces phénomènes-là. Fait que pour lui, c'était comme, tu sais, peut-être par peur, mais il savait que peut-être, mais tu sais, ça n'y était jamais arrivé de vivre ces genres de phénomènes-là. Fait que pour lui, c'est comme, mais non, c'était vraiment pas lui. J'étais vraiment toute seule à l'étage quand c'est arrivé. J'ai jamais compris. Il est arrivé quelque chose aussi dans ce restaurant-là. Ça peut avoir l'air banal, mais pour toi, ça ne l'est pas. C'est une affaire de 20 piastres. Oh, oui, un soir, parce qu'on était trois serveuses ce soir-là, c'était un petit peu dans la période des fêtes, il y avait beaucoup de monde, puis à un moment donné, on avait besoin d'être trois pour servir, parce qu'on ne fournissait pas, et à la fermeture, on s'est mis à faire la caisse, compter nos affaires, les factures, on a tout placé les affaires, et les trois, on a fait la caisse ensemble, les trois, admettons, je te dis un chiffre là, banal, là, 1000 piastres, OK? Mais 1000 piastres. Bon, on a fait 1000 piastres en soirée, on compte. Il nous manque 20 piastres. Là, ça ne marche pas. On recompte. Là, on a 20 piastres de trop. De Et là, trop. coudonc, on est. Oui, là, on s'est dit, attends un peu, là, il y a de trop. On a pris le 20 piastres, on l'a mis en dessous de la pile de facture, à côté, puis on a recompté la caisse, à savoir s'il était vraiment de trop. Et là, on ne balance pas encore. Mais là, ça a fait comme. Ben voyons. Et là, le troisième coup, les trois, on a tous compté chacun notre tour. Le troisième coup, on balançait. Je dis, ben non, le 20 piastres, c'est trop. On vient pour reprendre le 20 piastres. Il n'est plus en dessous de la pile. Il a complètement disparu du dessous de la pile, comme s'il avait été envoyé dans la caisse. Celui-là, je ne peux même pas comprendre. Il y a un aspect aussi des manifestations dans ce restaurant-là qui viennent se confirmer au niveau du X qui dit non, d'un salon funéraire, d'un vieux médecin. Tout ça m'emmène à te demander, parce que ça je le sais, là, je veux pas faire le gars qui fait semblant de ne pas le savoir, je le sais, je suis un peu au courant de l'histoire, mais pas assez pour la raconter. Moi, je ne serais pas capable de la raconter. Mais toi, oui, forcément.
À un moment donné, tu as été obligé de sortir de là en courant et ne plus vouloir et ne plus vouloir y retourner. Explique-nous ça, le contexte et qu'est-ce qui s'est passé puis pourquoi. Ben, en toujours fait, au même endroit. Le restaurant a fait 2 ans environ. Ça a fermé. Tant qu'à fermer, mais le propriétaire, ils ont dit, crème, pourquoi tu ne viens pas t'installer avec une galerie ici? Ça pognerait peut-être une galerie d'art, il n'y en a pas dans le coin. Parce que dans la période du restaurant, je mettais mes toiles sur les murs. Puis ils se vendaient. Genre, ça décorait, mais ils se vendaient. Fait que tant qu'à faire, viens donc mettre tes toiles sur. Puis on va partir sur. On l'essaye. Je n'ai pas les moyens de payer un loyer, moi, pour une galerie d'art. On s'arrangera. Mais il s'est passé tellement d'événements bizarres. Mes toiles se déplaçaient parce qu'il y a, tu sais, comme les murs français avec une petite tablette qui couvre la moitié du mur. Oui. Il y avait ça tout le long. Mais je mettais quelques toiles là-dessus, mais les toiles se déplaçaient régulièrement. Puis je voyais, il n'y a personne qui a touché à mes toiles. Pourquoi qu'elle a tassé de 6 pouces? Pourquoi qu'elle est croche? Pourquoi que sur le mur, elle est rendue comme ça au lieu d'être comme ça? C'est pas normal. On a fait des tests là-dessus, même avec une enregistreuse pour être sûr qu'on entendrait, mais on a capté des choses qui se passaient à l'intérieur de la bâtisse. Même quand la bâtisse était vide, là, personne au bord, personne au rez-de-chaussée, personne à l'étage. Puis on entendait des sons de meubles qui se déplaçaient dans l'enregistrement. On a entendu des grognements. Mais à un moment donné, j'étais censée... on faisait, nous autres, on mettait... en avant-plan, les auteurs qui pouvaient écrire un livre qui venait passer, on appelait ça les week-ends de la plume. On invitait un auteur à venir s'exposer à la galerie, puis qui venait vendre ses livres, puis faire une genre exposition de leurs œuvres. Exactement. Puis à un moment donné, ma copine Carole, qui venait s'occuper de cette portion-là, j'étais censée aller la chercher, puis je ne suis pas allée à fin de compte. Je suis rentrée dans la bâtisse. Encore une fois, j'étais seule dans la bâtisse entière. J'ai vu une espèce de vortex. C'est bizarre ce que j'ai vu. Je n'avais jamais vu ça. C'était dans l'escalier. C'est quelque chose qui tournoyait, puis qui tournoyait, puis c'était de couleur gris. Un petit peu la couleur de mon gilet, on va dire, là. C'est un peu comme ça, un gris semblable à ça. Ça tournait. Puis qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? La chienne m'a pognée parce que j'entendais vraiment... des sons étranges. Je me sentais comme si on était 500 dans la pièce. Mais je suis toute seule. Puis j'ai fait ma foi. Je vais quand même avancer. C'est en avançant, puis en regardant vers l'escalier, j'ai vu ça. Là, j'ai pas aimé ça. Je suis venue pour prendre le téléphone pour appeler ma chum Carole pour dire, Carole, tu vois pas ce que je vois. Mais il y avait un téléphone sans fil sur un socle qui était full charge. J'ai pris le téléphone, ça grichait sur la ligne, ça grichait. Et j'ai pas eu le temps de finir d'y parler, que le téléphone a coupé. La ligne a coupé, puis la batterie s'est vidée instantanément. J'ai fait un peu là. Je prends mon cellulaire, je m'en vais sur le bord de la porte. Et au moment où je suis au téléphone avec elle, j'ai ouvert la porte d'en avant. Parce qu'il y avait une porte de côté, puis c'est par là que je rentrais. J'arrive sur la porte d'en avant, je l'ouvre pour faire aérer, puis en même temps, tu sais, je me dis, crème, mais s'il y a de quoi, je suis sur le bord de la porte. Je me suis sentie, j'avais une tresse, et je me suis sentie comme si quelqu'un avait tiré sur ma tête, sur ma couette. La tête, elle m'a fait vraiment ça de même, physiquement. J'étais sûre qu'il y avait quelqu'un. Je me surveillais de bord, puis il n'y avait personne, mais personne. Là, je suis partie. C'est haineux, ça. Très, très. Puis là, j'ai fait... Non, attends un peu. Là, je suis partie. J'ai eu la chienne tellement. Là. Je suis allée chercher Carole, mon amie Carole. Puis là, ça n'a pas de sens. Là. Puis j'ai parlé au téléphone. Je dis, moi, je rentre plus ici. Là. Je ferme. Fini. C'est fini la galerie. Je ne veux plus. J'ai vraiment eu peur. Je n'ai pas aimé ça. Wow! Alors, il y a définitivement... Est-ce que tu es au courant de ce qui est arrivé de cette maison-là maintenant? Tu n'es plus là, toi, là. Non, j'ai plus là. J'ai 2012, 13, j'ai ouvert ma galerie en 2011, donc, suite après le restaurant. La bâtisse a été vendue, donc ma galerie a dû être fermée
de force, parce que là, c'est rendu une maison privée. Et je n'ose pas faire peur aux résidents qu'il y a là, à savoir si est-ce que les enfants voient quelque chose ou. Fait que j'en parle pas. Je m'entends pas. Probablement. Est-ce que tu sais s'il se passe quelque chose encore? Non. Non. Probablement que non. Un peu comme si, je me lance là, un peu comme si une entité qui aurait déjà vécu là, qui erre dans cet espace-là encore, ne tolère pas qu'il y ait autre chose qu'une famille. Ah, ça, c'était un point. Parce qu'à un Tu moment sais? donné, juste avant que ma galerie rouvre ou dans la période de, j'ai eu une sensation d'observation, mais intense. Puis j'avais l'impression, je voyais les énergies d'une forme d'un homme, je te dirais de 6 pieds, tellement c'était sombre. Puis à chaque fois que je prenais des photos, mon appareil photo, la batterie finissait. Je me voyais, je viens, elle était full charge. Je comprends pas ce qui se passe. Parce que je prenais des photos pour mettre sur mon site web des œuvres, puis ça se peut pas, là. Ça se peut pas. Je viens pour me brancher dans le mur pour recharger la batterie et la prise ne fonctionnait pas, a toujours fonctionné. Et je me sentais vraiment comme s'il y a quelqu'un qui voulait que je parte. J'ai fait, écoute bien. Là, je me suis assis sur le coin près du foyer. J'écoute bien, toi, là. Je suis pas ici pour te faire chier. Je suis pas ici pour. Tu devrais être content, je reprends ta maison. Je le sais que c'est toi le propriétaire, mais là, tu n'es plus de ce monde. Je suis ici pour faire quelque chose de gracieux. Parce qu'une galerie d'art, ce n'est pas un bar de topless, on s'entend, là. Parce que ça a déjà été ça. Ça a déjà été ça à un moment donné. Pas dire, mais ça. Mais, mais c'est ça. Sûrement pas. Puis là, ici, c'est quelque chose de gracieux et c'est très classique, c'est beau, c'est doux. Là, je te demande une affaire. Puis là, j'y parle comme s'il y avait vraiment quelqu'un avant de moi parce que je le sens qui est là dans les énergies. J'ai senti la présence d'un homme et d'une femme. Mais l'homme est vraiment by the book, méchant ou tu sais, C'est c'est ça. un homme de caractère. Je vais là m'en faire une affaire avec toi. Deal, OK? Le jour, je suis là. La nuit, c'est chez vous. Le jour, c'est chez nous. La nuit, c'est chez vous. On s'entend-tu comme ça? Tu pourrais protéger toutes mes œuvres d'art. S'il arrive quelqu'un, je ne t'ai pas pour y sacrer une claque. Moi, vas-y. Mais tu vas être mon système d'alarme. Mais Tu l'as ça a vu, fait vous comme. l'avez vu, vous l'avez vu, les groupes, les filles là-bas, à un moment donné, ce monsieur-là. Oui. Mais je pense que ça peut être lui. Parce que dans le temps du restaurant, après l'heure de vraiment la fermeture, en groupe, on s'est mis ensemble pour luncher en tant qu'employé. Puis à un moment donné, je me suis virée de bord parce que je sentais qu'il y avait quelqu'un. En me revirant, j'ai vu un monsieur qui d'époque, qui date de, tu sais, avec un habit de lainage, chapeau, tu dirais des années fin 1800 à peu près, début 1900, dans ces coins-là. Puis je me suis revirée de bord, puis je regarde ma chum de fille, puis elle me dit. Tu l'as vu, toi aussi? Hein? Toi, tu me dis ça à moi? Ça veut dire que tu l'as vu? Ça, oui, le monsieur, sur le bord du foyer, il en avait du. Ben, tabarouette. On est deux à l'avoir vu, on a fait la même description. J'ai dit, par où il est rentré? Ça se peut pas. Puis on s'est reviré de bord, puis il était disparu. Les portes sont barrées, il n'y a pas un chat qui peut rentrer ici, là. Celle-là, on ne l'a pas compris, mais quoi que, quand ça nous arrive, on ne comprend pas toujours, hein. Carole, je sais aussi que dans ta vie, il y a eu un autre événement très particulier où cette fois, ce n'était pas un être détestable, laid et dangereux, mais un merveilleux jeune homme, si on peut dire, une beauté rare. Mais comme l'émission achève, bon, on va remettre ça à une prochaine. Quoi? Ça t'agace un peu. Ah oui, je suis un peu agacé. Alors, ben écoute, Carole, je te remercie infiniment. Je te laisse retourner à tes occupations, dont celle de préparer ton émission. Donne les heures et l'horaire exact. Ben, le samedi, tous les jours de midi à 14h pour Zone parallèle, mais on produit aussi l'émission de la Zone insolite qui est de 14h à 16h. Puis on a 5 à des fois 6 animateurs différents chaque semaine. Fait qu'on Et travaille ça, là-dessus, oui, effectivement. c'est à CGMD 96.9 FM à Lévis. Exactement. Carole Lauzé, merci infiniment et à la prochaine.
Merci. C'était Carole Lauzet, animatrice et, comme vous l'avez constaté, expérienceur, et pas à peu près. Mais ça, c'est rien, ça. C'est pas que c'est rien, mais c'est rien comparé à ce qu'elle a déjà vécu et on va y revenir. Elle est une chouchou de Jean Cazot présente avec bien d'autres. Alors, je vous donne rendez-vous et je vous remercie de votre présence.